contre, c'est Bourreau 13, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Ouais, j'avais un peu arrêté. Non, pas les vidéos, mais la chaîne en fait, puisque j'ai créé une nouvelle chaîne nommée la FDF, donc la Fratrie du Fléau. C'est pas du tout un thème avec RuneScape. C'est. En fait, ouais, comme vous avez pu le remarquer, je me suis pas trop connecté cette année. Où je me suis beaucoup connecté, mais en mode AFK, je trouve pas trop sur le jeu. Ouais, j'étais sur League of Legends. Donc ouais, je me suis créé une petite chaîne avec des potes, on met des compilations, j'en ai pas fait beaucoup, je viens de la créer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'est des compilations si vous voulez venir me soutenir, voir les vidéos. Il n'y a pas de souci. Je vous mettrai le lien dans la description. On s'amuse bien, voilà. Non, c'est sympa, c'est une petite chaîne, ouais. Petite chaîne tranquille. Du coup j'avais ouais. Je voulais pas polluer un peu ma chaîne de RuneScape et vous faire chier avec des vidéos de League of Legends. Du coup, j'ai créé une nouvelle chaîne et du coup j'ai laissé un petit peu celle-là en abandon. Mais je compte reprendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai marqué ça sur un bout de papier. Ouais, donc je reprends ma chaîne. J'ai plusieurs objectifs en vue puisque je compte reprendre RuneScape un peu plus sérieusement. D'ici une semaine, je suis 120 en Larsen. Donc ça c'est pas mal, hein. Je suis à peu près du 300k heure par jour. Par 300k par heure avec l'aura et tout ça, je fais du 800k gold en plus par tous les millions d'XP, donc ça c'est pas mal étant donné que j'avais plus trop de cash suite à l'achat du club VIP or qui m'a coûté quasiment 300 millions, donc ça fait mal à la banque. Et j'ai du coup pour projet de faire mes caps niveau 120, donc sûrement celle de mining après le Larsen et celle de défense. J'ai également comme objectif d'avoir le petit mignon de la QBD, étant donné que j'ai repris un petit peu le PVM pour me faire un peu de cash. Et la QBD, voilà, c'est un truc solo, c'est tranquille. Ça drop plutôt bien. Je suis plutôt satisfait le temps d'apprendre à faire rare Axor. Voilà, voilà. Je vous ai mis, comme vous pouvez voir, des images des plus scrolls level 4, donc les élites. J'ai pas eu trop de chance, je l'ai fait pendant un mois, j'en faisais un peu plus de 1 par jour. Je m'étais fixé ça comme objectif, étant donné que quand tu faisais du Larsen, tu drops pas mal de close scroll. Donc du coup, voilà, ouais, comme vous pouvez voir, j'ai pas eu de chance. Je suis dans un ratio de 150-170k sur, je dirais, 45 close scroll élite. Donc voilà, ça m'a fait un peu de cash quand même, c'est pas grave. Puis j'aime bien la mise à jour où on peut réinitialiser les drops tous les 3 close scrolls, donc je trouvais ça sympa. Du coup, avec toujours l'envie de dropper quelque chose, un petit item rare ou quoi, malheureusement ça n'est pas arrivé. Donc voilà, c'était pour vous dire un peu que je reprenais RuneScape et je reprenais sûrement à faire des vidéos sur cette chaîne puisque ça me plaît bien. J'aime bien faire des vidéos, tout ça. Du coup je pense que je vais faire prochainement un petit guide sur la QBD, la reine des dragons noirs. Donc n'hésitez pas à me donner je sais pas, à me dire des trucs dans les commentaires, genre tu peux faire un guide sur je sais pas, Bandos, un mini-jeu, les ports par exemple qui a été refait. J'avais fait une mise à jour, j'avais un petit guide dessus mais il y a eu pas mal de changements depuis. Puis voilà, sur des boss, sur n'importe quoi, il n'y aura pas de soucis. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner sur mon autre chaîne si ça vous plaît, League of Legends, ou même si vous avez envie de me suivre, franchement rigole bien, c'est bon enfant. Je vous dis à très vite et ciao. Oh.